Eh bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Frozenia. Mesdames et messieurs, la dernière fois, on avait commencé à barricader notre base. Eh bien, écoutez, j'ai continué de mon côté hors caméra. Je vais vous présenter ça dans un instant. En tout cas, avant que cette vidéo commence, je vous invite, comme d'habitude, à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et écoutez, mesdames et messieurs, je suis déjà en jeu. Et comme vous pouvez voir, eh bien, la base a bien avancé. Bon, j'ai pas encore pu terminer l'obsidienne. Voilà, j'avais pas assez. J'avais récupéré 2 stacks et genre 40 et quelques obsidienne, enfin bref, j'avais pas assez, et là je dois vous avouer que j'en ai plutôt marre d'éliminer de l'obsidienne, donc les gars, ça va être l'heure de faire ce fameux étage, hein, comme j'avais dit qu'on ferait la décoration de cet étage, et bien on va le faire aujourd'hui, c'est prévu, mesdames et messieurs, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Alors, pas besoin de s'embêter à faire des tables d'enchantement de ouf, voilà, donc c'est bien que je voulais confirmer. Pas besoin de s'embêter à faire une salle pour les enchantements, tout simplement, parce que au spawn, eh bien, vous avez directement des tables d'enchantement. Là, on a niveau 30, là-bas, on a niveau 8, là-bas, on a niveau 24, voilà, on a tout ce qu'il faut. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est une table d'enchantement de niveau 1 pour enchanter des livres, hein. À la limite, c'est ce qu'on peut faire. Avec une enclume, mais bon, tout ça, on a. Donc oui, pourquoi pas, ça, on les placera, mais on n'a pas besoin d'une salle d'enchantement dans notre base. Donc, ça fait déjà ça de moins à faire. Alors, slash home base. Et donc, du coup, ça va être la salle où on va faire nos petites cultures. Pourquoi? Parce que bah, la culture, ça se vend bien quand même sur Frozenia, on va pas se le cacher, donc il faut que j'en fasse un petit peu. Et puis j'ai envie de faire une petite pièce un petit peu stylée, avec un petit peu de gazon, de l'herbe, voilà, tout ça, hein, ça sera plutôt stylé. On va pas se le cacher, ça va vraiment être très très cool. Alors déjà, j'ai envie de gagner un maximum de place, mais en même temps que ça reste stylé. Donc on va refaire des bûches, voilà, je vais faire un stack, voilà, ça va être largement suffisant. Ce qu'on va faire, on va essayer de glitch un petit peu, c'est-à-dire que vous le savez, dans Minecraft, l'eau, ça irrigue 4 blocs. Donc, une source d'eau va irriguer tout ça. Et il nous restera 3 à cet endroit-là. Tac. Donc, ce qui veut dire que si je mets les sources d'eau tout autour ici, si je mets une source d'eau là et une source d'eau là, théoriquement, ça va irriguer tout ici. Donc, ce qui veut dire que je peux placer, du coup, ma terre de cette façon. Voilà, on va tout placer. Hop. Et pareil, voilà, là, on va faire toute la longueur. Et voilà, nickel. Donc ça, c'est fait. Ici, ça sera donc tous nos champs. Et maintenant, on va mettre de l'eau, du coup, tout autour, et on va reboucher avec du bois par-dessus, parce qu'on va faire des murs, hein, tout simplement. J'ai envie que ça reste stylé, et que ça soit une vraie pièce, et du coup, ça sera irrigué, mais on ne verra pas l'eau. Et ça, ça va vraiment être stylé. Bon, on la verra à cet endroit-là, puisque... Ah bah non, on la verra même pas. Bah non, mais je mets de la terre aussi, ici. Hé hé. Bah ouais, bien sûr que je mets de la terre à cet endroit-là. Petit malin. Du coup, la terre, voilà, j'en ai encore un petit peu, et normalement, j'ai des seaux d'eau, donc voilà, ça c'est nickel. Ah bah oui, mais non, mais je vais pas mettre de la terre quand même, ici. Ici, ça sera du bois. Voilà, on va mettre du bois. Tac. Et tac, voilà, et pareil de ce côté. Là, on va mettre du bois. Et voilà. Et après, j'ai plus qu'à monter, du coup, et à mettre mes bûches. Voilà, nickel. Tac, et ensuite, je mettrai l'eau. Alors, on va faire une petite source d'eau infinie, vite fait. Tac, 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 voilà, on va la faire ici. Et on va mettre nos seaux d'eau. Tac et tac, voilà, ce qui nous fait une source d'eau infinie. Donc maintenant, je vais placer toute mon eau, voilà, tac, normalement c'est bon, maintenant j'ai créé des sources d'eau infinies, voilà, très bien, tac et tac, ok, nickel, maintenant, on va pouvoir venir ici, voilà, très bien, ah non, dommage, raté, ah, raté encore une fois, voilà, et maintenant j'ai créé des sources d'eau infinies, voilà, super, donc maintenant, ça c'est fait, hop, on va pouvoir reboucher ici, et virer la terre, ainsi que le bois, nickel. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir venir mettre mon bois par-dessus, tac, et donner, du coup, le petit côté un peu stylé que je voulais, voilà, avec la terre, du coup, qui est cachée, mais on a quand même notre fameux plafond. Donc ça, c'est nickel. Alors, je sais qu'il faudra que je casse un petit peu mon plafond par la suite pour pouvoir terminer de mettre l'obsidienne, mais bon, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Je le ferai en temps et en heure. Bah, je préparerai ça tout simplement pour le prochain épisode. Tac. Alors, on va d'abord faire le plafond. Tac. Ok, très bien. Ça, c'est parfait. Et là aussi, c'est nickel. Ok, super. Donc maintenant, j'ai plus qu'à placer tout ça. Voilà. Alors, je vais pas avoir assez de bois. J'espère que j'en ai assez dans mes coffres. Ah, 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 ah. Je suis tombé là. J'espère que j'en ai assez dans mes coffres pour continuer. Bon, sinon, autrement, je ferai un RTP et j'irai couper du bois dans un endroit random. Mais normalement, je dois en avoir peut-être encore un petit peu... Eh bien non! Eh bien non! On n'a pas d'autres bois, très bien. Eh bien, ça va être l'heure de faire un RTP. Slash RTP. Attends, j'ai quoi sur moi? J'ai pas grand-chose, mais... Alors, ça, j'ai pas besoin. Voilà, ça, déjà, j'ai pas besoin de les emmener. Je vais emmener de la nourriture. Je vais prendre quand même de quoi survivre. Voilà, des petites popos de speed. Au cas où quelqu'un me repère, au moins je pourrais partir en courant. Là, j'ai tout ce qu'il me faut, mes bouteilles d'XP, tout ça. On va... bah tiens, d'ailleurs, je vais passer au spawn vite fait.
et ça, je vais les déposer du coup dans mon underchest. J'en ai pas d'autres ici. Non. Ok, du coup, on va faire un CH spawn et je vais déposer mes minerais dans mon underchest. Et ensuite, on va faire un RTP et on va pouvoir aller chercher du bois. Et il faudrait que je trouve du coup des graines, hein, parce que j'en ai pas des graines, donc on va en récupérer sur le chemin. Alors, slash RTP, et du coup, on va voir où est-ce qu'on va atterrir. Alors, j'ai pas atterri dans l'endroit que j'aurais voulu. Ah, bon, c'est pas grave, c'est bon. Il y a une forêt juste en bas, donc c'est nickel. On va pouvoir aller couper un petit peu de bois et récupérer 2-3 minerais. Bon, tu sais quoi, je vais. Attends, et dure combien de temps les popos? Oh non, 1 minute 30, je vais les garder vraiment si j'ai un problème. Hop, et voilà, comme ça, maintenant, on peut récupérer du bois. Bon, ça va aller très très vite vu l'âge que j'ai. Ça, au moins, on va pas perdre de temps. On va en récupérer plusieurs stacks, comme ça, au moins, je serai tranquille pour la prochaine fois. J'aurai pas besoin de revenir. Et du coup, ça serait sympa d'essayer de trouver des citrouilles ou des pastèques, ce genre de choses. Alors, déjà, on va casser les feuilles et on va essayer de récupérer, voilà, des petites graines. Ça pourrait nous servir, déjà, pour avoir du pain. Voilà, ça pourrait être très très cool. Dans ma base, il faudra voir, hein, comment je pourrais l'agrandir, mais il faudrait que je fasse des spawners. Il faudrait que je fasse des spawners, ça pourrait être sympa. Genre un spawner de pigmen, et comme ça on pourrait faire une ferme à XP. Mais en même temps, une ferme à XP, c'est pas works si c'est dans une petite base, donc à voir comment je vais faire. S'il y a un moyen de faire vraiment une énorme ferme à XP. Après, il faut savoir qu'on est quand même limité si on veut rester sous terre et que notre base ne dépasse pas de notre petite île. Donc on va voir comment je vais pouvoir me débrouiller. Alors, je suis à 48 de bois, bon c'est très bien, ça va très très vite avec cette hache. Du coup, on va rapidement avoir tout ce dont on a besoin. Bon du coup les gars, c'est bon, j'ai récupéré déjà 2 stacks de bois, donc je pense que c'est largement suffisant. Maintenant, je fais ma petite quête aux ressources, hein, aux petites graines. Voilà, donc tout ça, je récupère. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Réellement, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est quand même avoir de la pastèque. Franchement, la pastèque, c'est trop, trop bien. Il faudrait absolument que j'arrive à en avoir. Bon, là, malheureusement, j'en ai pas dans l'immédiat, mais en continuant de me balader, peut-être j'arriverai à en trouver. Alors, ce qui serait, parce que ça m'étonnerait que j'arrive à en trouver dans un village, les villages ont déjà dû être complètement pillés. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été tout simplement de trouver un mineshaft ou un spawner de mobs. Mais bon, c'est pareil, ça va être assez compliqué à trouver. Donc, je vais checker quand même vite fait si je vois un village dans les environs. Et peut-être, il me restera quelque chose à aller choper, même si ça m'étonnerait grandement. Franchement, je me fais... Alors... Ça m'intéresse par contre. C'est un petit peu pour me narguer, on va pas se le cacher, mais il y a de la pastèque. Attends, c'est pas claim? Attends. Ok, bon bah très bien, je suis le mec le plus refait du monde. Très bien, bon bah voilà, j'ai beaucoup de chance les gars. Je suis le mec le plus chanceux du jeu. Je cherche de la pastèque et je tombe sur toute une ferme qui n'est pas claim. Ok, bon bah ça c'est parfait, nickel. Ouais, bah je vais récupérer tout un étage. Et bah ça c'est parfait. Franchement, je vais mettre un slash set home melon. Tac. Voilà. Et bah MDR, franchement, trop de chance. Et du coup, eux, ils ont fait la technique des fours. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des fours un petit peu partout là-dedans. Ce sont bel et bien des fours, non? Qu'est-ce que c'est que ce bloc? Ah, ça ressemble à des fours, mais on peut pas faire clic droit dessus. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les blocking blocks! Bah oui, bien sûr! Empêche l'utilisation des underpearls et des potions splash pour les membres hors de la faction. Oh les gars, j'ai envie de miner toute cette faction. Ah, et puis toute l'obsidia et tout. Oh les gars, on vient de tomber sur une mine d'or. On vient de tomber sur un truc vraiment trop cool. On vient de tomber sur une base de ouf, là, qui a dû être pillée il y a pas si longtemps que ça. Enfin, j'en sais rien. À vrai dire, mais là, franchement, on s'est mis bien. On s'est grave mis bien. Ça fait plaisir. Ok, bon, bah déjà, j'ai mes pastèques, comme je voulais. Ah, punaise, mais ouais, mais c'est ça qu'il me faut à la place des fours, en fait. C'est clairement ça qu'il me faut. Alors, par contre, j'ai complètement oublié le craft de ce bloc, hein, parce que pour qu'ils en aient autant, c'est peut-être pas si dur que ça à crafter. Donc, je vais aller vérifier au spawn. De toute façon, j'ai mis un home pour revenir ici. Donc, on va aller à l'endroit où ils expliquent les crafts. C'était peut-être là-bas... oui, c'est là-bas. Ok, très bien. Alors... Le blocking block. Blocking block. Comment te craftes-tu? Eh bah c'est super simple à crafter. Bon bah pas besoin d'aller miner cette base. C'est pas dur du tout à crafter. Et bah écoutez les gars, je veux me faire une base en blocking block. Ah on peut faire les portes en obsidienne, c'est vrai. C'est vrai. Attends, et ça c'est quoi ça? Oh là là, le mec découvre son propre serveur quoi. Ok, les escaliers, donc les slabs en obsi. Ok, mais oui c'est vrai qu'il y a tout ça. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a le coffre en rubis. Ah, les gars, mais ouais, punaise, j'ai tellement oublié qu'il y avait tous ces crafts, mais n'importe quoi. Ok, bon bah, blocking block, les gars, ça c'est clair et net. Craft en forme de croix, il faut absolument qu'on l'utilise. Alors, slash home base, du coup c'est parti, on va rentrer à la base, et on va planter nos petites pastèques. Déjà, avant toute chose. Ok, donc, les petites pastèques, je vais vous planter, de toute façon j'en ai tellement que là... Ah oui, d'abord, il faut que je me fasse les outils nécessaires. Alors, des sticks,
Voilà, très bien. Et on va prendre du fer. Voilà, c'est largement suffisant. Très bien. Tac et tac. Voilà, nickel. Et attends, je vais retourner au spawn vite fait. Et je vais save des pastèques dans mon Ender Chest. Comme ça, admettons, je me fais bouffer, enfin, je me fais défoncer ma base et l'espèce de truc que je viens de trouver, la base que j'ai trouvée, se fait piller. Et bien, au moins, j'aurai toujours du rab. Hop, voilà, si je dois refaire une base, au moins, je serai pas obligé d'aller rechercher des pastèques parce que ça m'étonnerait que j'ai autant de chance une deuxième fois. Donc, au moins, là, on est bien. On est trop, trop bien. Et je vais pouvoir faire mes petites cultures. Du coup, normalement, c'est bon. Ça permet de tout irriguer, là. J'ai assez d'eau et du coup, on va planter full pastèque. Parce que le pain, ça me servira à rien. Donc, les pastèques. Alors, on va faire quelques petites graines. Voilà. Tac et tac. Très bien. Et du coup, on va planter ça comme ça. Et voilà. Du coup, là, on a largement assez. Là, ça va nous faire vraiment beaucoup de melons. Donc ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, je vais pouvoir aussi finir, du coup, mes murs. Voilà. Ah ouais, il faudrait que je laisse une ouverture, du coup, ici. On va laisser une ouverture. Hop. Voilà, tac, tac, ok, je vais laisser ici, comme ça je vais pouvoir accéder là derrière et pouvoir casser et mettre mes blocking blocks. Il faut que je fasse des blocking blocks absolument. En plus, j'ai masse de cobble, donc je vais pouvoir commencer à faire ça direct. Là, tout de suite, maintenant, je fais ça. Les blocking blocks, je m'en occupe. Hop, voilà, ça j'ai pas besoin. Et du coup, ça va se crafter très facilement. Hop, et ça va m'en donner combien? Ah, ça m'en donne que 64. Ça va pas m'en donner vraiment beaucoup. Donc je vais en avoir deux stacks, déjà dans un premier temps, ce qui est déjà plutôt cool. On va pouvoir se faire au moins un mur. Tiens, pourquoi ce n'est pas... Ah bah oui, non, c'est pas irrigué à ces endroits, ça on s'en fout. On va dire je peux sauter dessus. Voilà. Pour que les melons se posent. Hop, voilà. Hop, hop, voilà. Très bien. Et on va faire de même. Tac. Bon, de toute façon, les pastèques, elles ont pas encore poussé. Je dis melon parce qu'en anglais, c'est watermelon. Mais en vrai, c'est des pastèques. Tac, tac, voilà. Allez, saute. Et là, voilà, comme ça au moins mes pastèques elles vont pouvoir se poser. Alors bon bah du coup, je vais mettre mes blocking blocks sur ce mur pour commencer. Alors là aussi, ouais, il faudra que je mette. Du coup, hop, on va mettre sur ce mur. On va faire toute la longueur. Voilà. Bon, heureusement que j'ai une super pioche. Ok, ah oui, c'est vrai que là il me reste encore pas mal à faire. Tac, on va miner tout ça. Et voilà, bah du coup, il me restera ça aussi. Tac. Et là. Alors ouais, là il va falloir que je coupe l'eau. Heureusement, j'ai la cobble. Et voilà. Ok, très bien. Donc là, ça, je vais pouvoir casser, du coup, et aller jusqu'en bas de ma base. Vraiment, je vais faire tout le mur, je prépare le truc, quoi. Voilà, donc là, il faut que je mine jusqu'en bas. Ok, du coup, les gars, c'est bon, c'est parti, je commence à placer mes blocking blocks. Hop, voilà, très bien. Alors, déjà, on va faire ça. Voilà, très bien. Et du coup, tac, 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 et voilà. Très bien, maintenant, j'ai plus qu'à poser tous mes petits blocs. Alors, je vais clairement pas en avoir assez, mais c'est pas grave, ça va déjà être un début. Ah, punaise, mais c'est trop bien qu'il y ait ce truc. Franchement, j'avais oublié, là, à faire ma base et tout comme ça, tout seul de mon côté. Et ben, je reprends goût, en fait, à faire du PvP faction. Je dois vous avouer qu'à chaque fois, je suis en mode, ah, je vais me faire piller et tout, c'est relou. Non, là, vraiment, je suis en train de découvrir des trucs et ça me fait grave plaisir. Franchement, je kiffe, là. Jouer sur Froze. Tac, voilà. Hop, mes petits blocking blocks. Bon, attends, je vais d'abord faire le bloc du dessus. Et bah voilà, je vais pas avoir assez. Et je ne peux toujours pas placer de blocking block derrière ce mur. Enfin, ouais, il se trouve quand même que j'ai un peu de psy. Enfin, j'ai encore un petit peu de cobble. Donc on va l'utiliser et on va essayer de finir au moins ce mur. Et voilà. Et bah nickel, ça va m'en faire 32 tout pile. Donc on se met bien. On se met très très bien. Allez, dis-moi au moins que je peux finir ce mur. Allez, s'il te plaît, fais en sorte que. Ah non! Voilà, fais en sorte que j'ai assez. Hop. Et. Ok, et bah nickel. Au moins, je peux mettre des blocking blocks ici. Bon, bah ça, c'est plutôt cool. Bah, tu sais quoi, il m'en reste 5. Hop, on va les mettre là. Voilà, comme ça, au moins, pour le moment, ça va être un minimum secure comme ça. On va pas avoir le choix de toute façon. Donc, c'est plutôt cool. Ok, bon, bah ça commence à être sympa. Là, par contre, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je mine tellement de cobble. Bon, c'est pas trop un souci, hein, la cobble, c'est pas dur à trouver. Mais là, les blocking blocks, les gars, je vais en mettre masse. Ça va être un truc de fou furieux, ça va être trop trop bien. Alors, par contre, je suis en train de me dire que je vais devoir me créer une faction. Je vais l'appeler Filou Pilou Lou. Et du coup, maintenant, on va faire un slash F-claim. Je vais me mettre au milieu, voilà. Ok, bon bah du coup, écoutez les gars, c'est bon, je viens de claim. Est-ce que ça va signer l'arrêt de mort de ma base? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il faut que je m'occupe de ce trou, là. Quand même, il faudrait que je le bouche. Hop, et bah, tu sais quoi, on va prendre ça. On va prendre de la terre, comme ça, on va pouvoir remonter. Et ouais, je vais m'occuper de boucher ce truc-là. Parce que sinon, les mecs, ils vont tomber du ciel. Et je vais me faire dégommer. Je vais pas comprendre pourquoi. Alors que je sais très bien pourquoi. Allez, on va monter jusqu'en haut. Hop, je peux monter encore un petit peu. Voilà, je pense que là... Ok, et bah, on va quasiment tout reboucher. Tac. Et du coup, maintenant...
On va pouvoir redescendre. Ah mince, c'était pas de la terre. Bon, tu sais quoi, je peux mettre un peu de terre. C'est pas mort. Tac. En plus, on met de la stone direct. Donc ça, c'est cool. Voilà, très bien. Ça, au moins, on se protège un minimum. Parce que là, je suis pas très, très, très safe non plus, tu vois. Tac. Et tac. Ok, c'est bon. Bon, bah là, on est cool, on est cool. Ça a été protégé. Il y a plus de trous juste au-dessus. Donc ça, ça me plaît beaucoup. En tout cas, les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode de Frozenia. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et ma chaîne secondaire. Tout s'affiche actuellement à l'écran. Et dans la description, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, et bien, salut à tous. C'était Oxy. Salut tout le monde.